Pour la suite de ce voyage, nous avons pris la direction du nord. Le trajet fut long et dangereux à cause de la météo et des puissantes rafales de vent. Parfois la route était glacée, parfois enneigée, et le soleil s'est très peu montré. Au bout de 8 heures de route, nous sommes enfin arrivés à Grenivik, le village dans lequel j'ai installé mon studio pour les semaines qui ont suivi. C'est ici que Zach, un ami photographe, nous a rejoints et a pris part à notre aventure. Allez, toi, ils sont trop mignons, mec. Étant enfant, je rêvais de me retrouver aux commandes d'un traîneau tiré par des chiens qui n'ont qu'une envie, courir à toute vitesse dans la neige. Aujourd'hui, on va faire du traîneau, c'est un de mes rêves de gosse, je voulais en faire depuis que j'étais tout petit. Il y a plein de skis qui sont derrière là dans la camionnette, ils sont en train de les sortir, c'est trop trop beau. J'ai trop hâte. Les bâtards. Il respecte même pas. Putain, il est trop beau lui. Tu fais quoi? Hé, casse-toi. Génial d'être en parfaite cohésion avec ces chiens. Les conditions étant un peu extrêmes, il était nécessaire de fournir un effort physique commun pour progresser à travers la tempête et franchir certains passages très enneigés. La vraie récompense pour eux comme pour moi, c'était cet échange de tendresse qu'il y a eu après notre expédition. Les huskies sont des animaux magnifiques et d'une extrême gentillesse. Ce moment restera vraiment gravé à jamais dans ma tête. À cette période de mon voyage en Islande, je passais un peu moins de temps à composer. On était souvent dehors à profiter de ce que l'Islande avait à nous offrir de mieux. Vivre des expériences était une étape très importante dans la composition, c'est pour ça que je suis venu en Islande. Ça aurait été dommage de rester enfermé pendant un mois, alors qu'un grand terrain de jeu nous attendait dehors. Et ouais mon gars, 3... 2, 1. Bah alors, il est où Biscuit? Salut, bienvenue dans Iceland Extreme Challenge. Aujourd'hui, on va rider un max de coffre. Rapide, c'est comme ça qu'ils font dans le Grand Nord. Moi j'ai eu un exclame.
ça le fait pas pour les voitures. C'est les vitres.